Ils étaient tous là, ou presque, les membres du Conseil économique et social pour l'examen du projet de loi de finances rectificative comptant pour l'année 2014 en vue de donner un avis. J'ai donc convoqué une session extraordinaire pour faire ce travail-là correctement, en profondeur. Et les mesdames et messieurs les conseillers du Conseil vont maintenant travailler pendant toute une semaine, regarder ce budget de fond en comble et donner un avis au chef de l'État, le président Ali Bongo Ondimba, au gouvernement, aux deux chambres du Parlement, Assemblée nationale et Sénat. Après l'ouverture des travaux, il reste maintenant à la commission budget et finances de se mettre à pied d'œuvre afin d'étudier les indications du gouvernement. Maintenant, la commission d'économie et des finances va travailler en fond pour voir si les orientations du gouvernement sont cohérentes, si elles sont valables, les indications qui ont été données, aussi bien en termes de dépenses qu'en termes de ressources, la ventilation au niveau des différents besoins, investissement, fonctionnement. Bien, nous allons étudier, nous pourrons, après avoir transmis au chef de l'État et au Parlement l'avis, nous pourrions vous donner quelques orientations précises. Les travaux relatifs à l'examen du projet de loi rectificative pour l'année 2014 s'achèvent le vendredi.